Ceci est l'histoire d'un homme nommé Stanley. Stanley travaillait pour une entreprise dans un grand immeuble où il était l'employé 427. Le travail de l'employé 427 était simple. Il restait assis à son bureau dans la pièce 427 et appuyait sur les touches d'un clavier. Ses consignes lui étaient transmises par un écran sur son bureau, lui disant sur quel bouton appuyer, pour combien de temps et dans quel ordre. C'est ce que faisait l'employé 427 chaque jour, de chaque mois, de chaque année. Et bien que d'autres auraient qualifié ceci d'atroce, Stanley savourait chaque moment où il recevait des ordres, comme s'il avait été fait sur mesure pour ce travail. Et Stanley était heureux. Mais un jour, quelque chose de très étrange s'est passé. Quelque chose qui changerait Stanley pour toujours. Quelque chose qu'il n'oublierait vraiment jamais. Cela faisait presque une heure qu'il était assis à son bureau quand il se rendit compte qu'il n'avait pas encore reçu la moindre consigne sur son écran. Personne n'était venu le voir pour lui donner des ordres, pour organiser un meeting ou même dire bonjour. Il avait travaillé ici depuis des années et c'était la première fois qu'il se retrouvait isolé ainsi. Quelque chose allait très clairement de travers, bouleversé, incapable de faire le moindre mouvement. Stanley n'osa pas bouger pendant ce qui lui sembla être une éternité. Mais il retrouva ses esprits, se leva de sa chaise et sortit de son bureau.